Bonjour et bienvenue pour une petite revue. Aujourd'hui, je vous parle de Métamorphosis de Stéphane Gallas aux éditions Michel Lafon. C'est l'histoire d'un être habillé en noir avec un visage rougeoyant qui apparaît, qui disparaît. Ça fait un peu peur aux gens avant Halloween, mais bon. Et un jour, il se met à égorger des gens, des familles, etc. Donc là, c'est la panique. Et on a l'inspecteur Bosco qui va enquêter dessus. L'inspecteur Bosco, on l'a déjà rencontré dans Un signe d'elle et dans Les ombres de Salem, du même auteur. Et il va faire équipe avec la médium Alvarez qui l'aide beaucoup. Lui, il n'y croit pas trop, mais elle arrive à l'aider quand même. Et ils vont enquêter sur une affaire mais très prenante, très poignante. Parce que, alors je ne vais pas dire que c'est fantastique, hein, c'est du fantastique, donc je ne vais pas dire que ça arrive pour de vrai, mais il y a une partie de ce qu'on retrouve dans le roman qui malheureusement arrive. Et l'auteur a réussi comme ça à lier ce fait social avec du fantastique, avec du roman addictif, etc. C'était super.